Please be seated. Vous asseoir. Et Maître Bougnon, vous avez la parole et vous allez répondre donc à l'accusation qui semble s'opposer, ou du moins ne pas être d'accord avec votre façon de poser des questions aux témoins. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de tout? Si le procureur pouvait répondre à son objection, je ne me souviens pas. Le président, bien. Cela signifie plutôt que vous n'avez pas envie de répondre? Non. Alors, voici la question. La question était la suivante. Monsieur Demerjian a dit, je pense que le témoin lui a clairement demandé à quelle réunion il faisait allusion, mais mon éminent confrère, visiblement, pose des questions très alambiquées et compliquées. Mais j'aimerais que vous demandiez si vous avez rencontré ce ministre ce jour-là, mais le témoin demande plus de clarté. Et ensuite, vous avez répondu que vous vouliez expliquer, en dehors de la présence du témoin, pourquoi vous posiez ce type de questions. Ensuite, nous sommes partis en pause déjeuner. Et maintenant, donc, vous avez la parole pour vous expliquer. Et pour nous expliquer pourquoi vous voulez poser cette série de questions. J'espère que j'étais assez claire dans ma présentation de la question. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez été assez clair. Je ne me dérouberai pas. Mon intention n'a jamais été de me dérober à la question. Ma ligne de question était celle-ci. J'ai commencé à demander au témoin en sa qualité, si ça existait, en sa qualité de chef d'état-major adjoint, puisqu'il dit que, en cette même qualité-là, son prédécesseur rencontrait un certain nombre de personnalités. Et donc, en cette qualité, quelles sont les personnes qu'il aurait rencontrées? Où et quand? Il n'a pas répondu à cette question, il dit plusieurs fois. Plusieurs personnes, plusieurs fois. Je lui ai demandé encore où et quand. Il dit qu'il ne peut pas le dire exactement. C'est pour cela que je lui ai demandé, est-ce que la rencontre avec le ministre Amani Nguessan faisait partie des rencontres dont il parlait? Voici ma question que j'ai posée, voici la ligne de questionnement sur laquelle j'étais. Yes, and here the... Oui, oui. Et à ce moment-là, donc, Monsieur le procureur est intervenu et a dit, si vous avez une référence que vous voulez lui présenter, faites-le. Vous savez ce qui me dérange? Ce qui me dérange, c'est que le procureur voudrait que je pose des questions comme il entend et des questions qu'il veut que je pose. Monsieur le Président, je demande à un témoin qui est censé être en 2009-2010 chef d'état-major adjoint qui dit que en cette qualité, son prédécesseur a rencontré des personnes. Est-ce que en cette qualité, il a rencontré aussi des personnes? Il ne peut pas me répondre. Pourquoi est-ce que c'est à moi de lui dire que vous avez rencontré effectivement telle ou telle personne? Ce n'est pas à moi, je n'étais pas à ces réunions avec lui. Si tant est qu'elles ont existé, le témoin doit être à même de me dire que voilà, à telle période, j'ai rencontré telle autorité de la défense, I am absolutely with you. Président, écoutez, je suis avec vous à 100%. Cela dit, si le témoin ne se souvient pas, dit autre chose et que vous avez une référence à propos de cette question, il faut lui présenter cette référence. C'est ça le nœud du problème.
Monsieur le Président, je ne peux pas avoir de référence sur une réunion qui n'a pas existé. C'était justement pour savoir si une réunion a existé ou pas. S'il y a pas de, si une réunion n'a pas existé, moi, je ne peux pas avoir de référence. Merci, Monsieur le Président. Well, thank you. I don't... Merci. Écoutez, je ne sais pas si vous avez ou non une référence. En ce qui est certain, c'est que le bureau du procureur vous demandez de fournir la référence si tant est que vous l'ayez. Vous pouvez demander la même question 10 fois. Mais si chaque fois le témoin vous donne une réponse auquel vous ne vous attendez pas, bah à un moment ou à un autre, il faut quand même s'arrêter ou alors lui présenter quelque chose parce que sinon ça traîne en longueur et ça ne s'arrête jamais. Enfin, je pense que ce n'est pas censé être une conversation entre nous deux. Il faut plutôt demander son avis au témoin. Donc je vais demander à monsieur l'huissier de faire rentrer le témoin. Good afternoon, Mr. Witness. Le président, bonjour, monsieur le témoin, à nouveau. Il nous reste encore une séance et c'est la défense de monsieur Blégoudet qui va continuer à vous poser des questions. Alors, je vous demande de répondre aux questions, de ne surtout pas vous lancer dans des grandes conversations à propos de la question, mais uniquement de répondre à la question. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez la parole, Maître Bougnon. Bonjour, monsieur le témoin. Monsieur le Président, on va revenir sur... Mais on a la carte disponible maintenant, donc je pense qu'on va revenir sur la carte. Je vais demander au greffier d'afficher la carte CIV OTP 0092 04 06. Is this the agreed map? Il s'agit de la carte qui a fait l'objet d'un accord, c'est cela? Okay, thank you. Président, merci. Monsieur le témoin, vous avez la carte. Vous voyez bien la carte? Oui. Est-ce que à partir de cette carte-là, vous pouvez essayer dans un premier temps, on va aller pas à pas, dans un premier temps, d'indiquer là où se trouvent vos éléments? Vous ne voyez pas bien, vous voulez qu'on zoome, qu'on fasse un zoom avant? Je vois la carte, mais je ne sais même pas quoi Koko dit. Je sais même pas. Il voit la carte est marquée à l'entête. À Djamé, à Tekoubé, Koko dit. Voilà pourquoi je dis, est-ce que si on. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un zoom avant? Peut-être que vous allez vous retrouver. Well, I wouldn't be able to see anything with this. Écoutez, moi, je ne vois absolument rien. Est-ce que vous avez la carte sur un écran total? Est-ce que c'est bien sur tout l'écran? Bon, donc, je pense, dit le président, qu'il faut
que nous réduisions la carte un peu pour avoir une meilleure idée d'ensemble. And then on the basis of Et le témoin va nous donner des indications et on pourra zoomer selon les indications du témoin. Can we bring the map a little bit up? Le président, pouvons-nous faire remonter un peu la carte afin de voir le sud de la ville? Pardon, et puis allumez votre micro. Voilà. Les témoins disent c'est bon d'arrêter là. Do you recognize where we are? Président, est-ce que vous vous repérez sur cette carte? Je commence à avoir des repères, monsieur le président. Président, bien. May I know who is maneuvering? I can't. Who is... Moi, je me demande qui manipule la carte. Ah, je vois, c'est monsieur le témoin. Merci.
We are all waiting for you. Nous attendons. Can you also write nearby? Le président, pourriez-vous s'il vous plaît écrire à côté de votre annotation ce que cela signifie? Vous l'écrivez sur l'écran, s'il vous plaît? We must make a screenshot, I think. Je pense qu'il faut, le président, je pense qu'il faut faire une capture d'écran. The image has now been saved.
Le président, l'image a été capturée. Vous pouvez maintenant poursuivre. We have to do another screenshot. Le président, il faut faire une autre capture d'écran. How many positions are you going to? Le président, combien de position allez-vous nous indiquer? Juste pour avoir un ordre d'idée. Petite estimation. Ça m'indiquait la position qu'on avait au niveau du boulevard des Martyrs, comme je l'ai expliqué. But now you have indicated two positions. Enfin, vous avez indiqué deux, dit le président. Et en tout, vous voulez en indiquer combien? En tout. OK. Parfait. Now you can go ahead. Allez-y.
That's it? Okay. Président, c'est cela? Très bien. Donc, capture d'écran. Et puis ensuite, nous allons accorder une cote aux trois captures d'écran. Madame la greffière d'audience, la carte annotée par le témoin va avoir les numéros suivants. CIV REG 0001 0020 0021 et 0022. Le président, merci beaucoup. Maître Bougnon. Monsieur le président, je voulais demander la position des forces de défense et de sécurité, mais vraiment, je pense que ça risque de nous prendre encore beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas envie de m'hasarder à demander les différentes positions des forces de défense et de sécurité. Parce que ça risque de nous prendre. On en a déjà plus d'une demi-heure. Donc, franchement, je n'ai pas envie de m'hasarder à demander encore si on doit positionner les forces de défense et de sécurité. I think it's a good idea. Le président, je pense que c'est une bonne idée. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, on va passer à toute autre chose. En 2002 particulièrement, quand vous êtes au plus bas de l'échelle du GPP, vous évoquez le fait que des gardes de corps du premier président Grogué Charles vous auraient rapporté que M. Charles Blé Goudé remettait de l'argent à M. Charles Grogué. C'est exact? À cette époque, vous qui êtes le nouvel élément, vous le dites à quel titre et pourquoi? Expliquez que ces éléments que j'ai cités là, et moi, avant de rapport à Miku. Et donc, vous êtes en train de dire à la Chambre que c'est dans le cadre de vos rapports amicaux que les éléments de la garde vous rapporte ce que le président à cette époque-là fait, c'est ça? Comme je l'ai aussi expliqué, il y avait souvent des grognes dans les rangs entre les éléments. Donc, moi, puisque j'avais des rapports amicaux avec eux, comme je l'ai dit, donc j'ai posé la question à mes. Par rapport à tout à ce qui se passe là, par rapport à la grogne, les éléments disent non, les chefs reçoivent de l'argent, ils nous ont destiné, puis on nous gère mal, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas bien de nous. C'est dans ce genre de discussion-là qu'ils m'ont dit, ah, et quand ils sont souvent, le président, ils vont, en tout cas, M. Blé Goudé, le président va souvent voir M. Blé Goudé par rapport à de l'argent.
peut-être que c'est moi qui... On est en 2002. D'après ce que j'avais lu, on est en 2002. Voilà, et je ne crois pas que vous ayez parlé encore de grogne à cette époque-là. On est en 2002. Et en tout cas, par votre déposition ici, vous n'avez pas parlé encore de grogne. Je sais qu'à une autre époque, vous avez évoqué la grogne, mais en 2002, ou bien en 2002, il y a déjà de la grogne. Mettre grogne, on parle de grogne, ce n'est pas forcément des moments violents où on cherche à frapper les chefs. Hein. Pas forcément des moments violents où on cherche à frapper les chefs. Ceux qui est cité, par exemple, l'un de ceux qui est cité, par exemple, nous sommes de la même promo. Donc, déjà, il y avait, comme on dit, des relations de camaraderie entre eux et moi. Et on a eu plusieurs conversations en cause. C'est l'une au cours de ces années de conversation que moi, il m'a parlé. C'est pas comme, c'est pas genre. Comme si il avait à me rendre compte de chaque fois qu'il sortait. Mais c'est des conversations entre amis, entre éléments, entre amis. Maintenant, quand on parle de la grogne, là, où il y a plusieurs gens revenus, il y a toujours des malentendus, toujours des grognes. Ce n'est pas que c'est des mouvements où les autres cherchent à frapper les devanciers. Président, excusez-moi. Là, cela fait 2-3 fois que nous entendons parler du président. Mais ce serait bon d'avoir le nom, parce que cela pourrait peut-être, à l'avenir, engendrer une certaine confusion, si vous voyez ce que je veux dire. Président, mais je pense que j'avais mentionné le président Charles Grogué. Sinon, on parlait du président Charles Grogué, puisqu'on est, on est en 2002, je crois. Monsieur le témoin, j'ai une dernière question sur ce sujet, puis on va... Ce que je veux comprendre, ce que vous expliquez à la Chambre, en 2002, quand vous rentrez, vous particulièrement, quand vous rentrez au GPP, ou bien quand vous rentrez rejoindre les jeunes coureurs, vous le faites volontairement, non? Vous le faites volontairement? Oui. Avez-vous une seule fois dans cette période avec vos dirigeants ou bien vos chefs discuter de rémunération? C'était pas à l'heure du jour. Pour que la Chambre comprenne bien, ça veut dire non? Oui, ça veut dire non. Et donc, à aucun moment, vos chefs ne vous ont promis une quelconque rémunération, c'est exact? Il n'y a pas de promesse de rémunération, mais il y avait une promesse d'intégration dans l'armée régulière. Merci. Your Honors. Monsieur Dimergent, Monsieur le Président, j'hésite toujours à interrompre mon confrère, mais il y a au moins... Ah, excusez-moi. Microphone pour le Président. Eh bien, voilà, ça n'était pas audible parce que il y avait deux personnes qui parlaient en même temps comme vous venez de le faire. Monsieur Dimergent, non, mais je pense qu'il y a au moins 6 ou 7 choses qui n'ont pas été bien entendues, à commencer par la page 67. Voilà, pour clarifier. Le président, c'est très très étrange parce qu'il n'y a pas d'inaudible dans la version anglaise. Oui, monsieur le président, je vois ici à la page 67, à partir de la ligne 12, il y avait, comme j'ai essayé de l'expliquer, il y avait souvent des
C'est vrai, il y a inaudible. Non, je vais relire pour que, monsieur le témoin, vous allez m'écouter, je vais relire pour que vous précisiez. D'abord, ma question c'était, et donc, vous êtes en train de dire à la Chambre que c'est dans le cadre de vos rapports amicaux que les éléments de la garde vous rapportent ce que le président, à cette époque-là, fait. C'est ça? Si vous pouvez répéter votre question, pour que, votre réponse pour que on puisse doucement, vous allez doucement vous parler. Qu'on puisse enregistrer. Oui. Oui. Monsieur le Président. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Pardon, confrère, de vous interrompre. Mais dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, il me semble important de relever page 69 à la question. Voilà. Page 69, ligne 6. Question de mon confrère Bougnon, et donc à aucun moment vos chefs ne vous ont promis une quelconque rémunération, c'est exact. La réponse telle qu'elle apparaît dans le transcrit français à la ligne 8, j'ai parlé de promesse de rémunération, mais une promesse pot d'intégration dans l'armée régulière, ce qui n'est pas très... C'est intelligible et surtout ce qui n'est pas du tout ce que le témoin a dit, puisque de mémoire, et je parle de mémoire, il avait dit je n'ai pas parlé de promesse de rémunération, mais d'une promesse d'intégration dans l'armée régulière. Et ça me semble important, Monsieur le Président, puisque le sens change du tout au tout. Le président. Et c'est exactement ce qui figure dans le compte-rendu d'audience anglais. Il est marqué, nous n'avions pas eu de promesses de rémunération, mais nous avions des promesses d'intégration dans l'armée régulière. Voilà. Donc, la traduction anglaise est bonne. Please go ahead. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Monsieur le témoin, vous avez évoqué ici une formation que vous donneriez à certaines personnes. J'ai cité le transcript du 18 octobre. À partir de la page 47, je vais lire in extenso pour que les choses soient assez claires. Page 47 du transcript du 18 octobre, voici la question de l'accusation à partir de la ligne 21 de la page 47. Maintenant, pour cette formation, est-ce qu'il y avait besoin de ressources financières? Vous répondez, je cite, oui, d'abord. Au niveau 2, pour leurs fiches pour le service national de l'état-major, on leur demandait visite médicale, y compris. On demandait de prendre 20 000 francs par élément. Nous, on prenait 30 000 francs. 10 000 francs qui, nous servaient à déjà assurer la nourriture sur place et les autres. D'autres besoins nécessaires. Fin de citation. À la fin de cette même page 47, l'accusation vous pose une autre question, et je cite,
Et ces 30 000 francs venaient de qui? Vous répondez à la ligne 48. Ces 30 000 francs, c'était chaque élément, chaque personne, chaque recrue qui venait avec ces 30 000 francs. Donc, on avait 10 000 francs pour nous et 20 000 francs qu'on remettait au service national des armées. Ma première question, monsieur le témoin, vous vous rappelez avoir dit ça? Oui. Ma première question, monsieur le témoin, vous avez dit à plusieurs reprises, on leur demandait, on demandait de prendre 20 000 francs par élément. Quand vous dites le « on », vous parlez de qui? Quand je parle de « on », je parle de... D'abord, c'est la décision qu'on tente de prendre les 20 000 francs, ça ne venait pas de nous, c'était du service national, comme je l'ai dit. Il y avait besoin de ces 20 000 francs pour les frais de visite médicale et autres examens que les éléments devaient faire avant de partir en formation. Quand j'ai dit « on », c'est passé, cet argent-là, nous, c'est nous qui dans nos locaux, c'est vrai qu'il y a d'autres qui se rendaient directement qui s'est parti directement à l'état-major, mais c'est à notre niveau qu'on réceptionnait l'argent. Les 30 000 francs, nous, on prenait les 10 000 francs et les 20 000 francs étaient réservés lorsque le service national nous ferait signe, nous amenons les listings de ceux qui étaient, ceux qui remplissaient les conditions. Papa à l'âge et puis le diplôme. On a transmis les listings et chaque personne avec les 20 000 francs. Ceux qui étaient retenus ont déposé en même temps les 20 000 francs. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai dit on, c'est nous qui récupérons l'argent. Si on parle de notre niveau du GPP. Quand vous parlez de service national, je veux savoir précisément à cette époque-là. Qui au sein du service national d'abord vous a demandé et comment il a demandé de percevoir ces sommes? Qui exactement vous l'a demandé et comment est-ce qu'il vous l'a demandé? Parce que j'ai expliqué d'où cette décision est venue. Après notre marche, lorsque on a eu la visite de M. Stallone qui nous a expliqué qu'on devait s'apprêter à former les éléments qui allaient après être intégrés. Au niveau du service national, il y avait un adjudant dont j'ai parlé, l'adjudant Croco, qui était d'abord... J'étais en premier lieu d'abord parce qu'avant, elle était à l'infanterie. Elle était mutée à l'état-major au BCS. Mais à cette époque-là, c'est lui qui réceptionnait directement cette somme-là. Je pense que vous allez répéter le... Parce que c'est la première fois que vous dites le nom Croco. Vous allez le dire doucement et vous allez... essayer de peler pour les besoins des interprètes. Donc, ce n'est pas la première fois que je parle de lui. Mais Croco, c'est C-R-O-C-O. Je n'ai pas son vrai nom, c'est un sobriquet, mais en tout cas... Que soit à l'infanterie, que soit à l'état-major, c'est comme ça que tout le monde, sous cette appellation, que tout le monde le connaissait. Je pense qu'il y a un problème au niveau du transcript. Page 73, à partir de la ligne 1,
Je vois, il est marqué, cette décision-là, elle est venue après notre marche. Lorsqu'on a eu la vie, ce zip. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ce zip de M. Stallone qui nous a expliqué qu'il devait... Je pense que vous pouvez répondre à cette partie, s'il vous plaît. Il a expliqué qu'avant, après notre marche, lorsqu'on a reçu la visite de Abba Stallone, nous avait expliqué que nos déliances allaient être prises en compte. Les revendications qu'on fait, pour lesquelles on avait organisé cette marche-là avaient été entendues et que ça allait être prise en compte. Et nous devions nous apprêter parce qu'il y aura un appel officiel, mais officiellement, avant que ce soit fait, nous devrions former, faire une formation initiale dans des jeunes d'abord en ancien, et puis des jeunes aussi qui venaient d'autres organisations proches du régime qui allait venir afin qu'on le forme et qui allait rentrer, être intégré dans les différents corps d'armée. Lorsque la décision a été mise en œuvre, on a commencé à former les éléments. On a reçu des instructions. Il prend 20 000 francs par élément. Les 20 000 francs, c'est ce que le service national avait besoin. Parce que les visites médicales préalables avant la formation, ce n'était pas à notre niveau, ce n'est pas nous qui nous la chargeons. La vie médicale se faisait dans deux endroits que j'ai donnés. C'est-à-dire qu'il y avait l'hôpital militaire d'Abidjan et il y avait au commandement des forces terrestres à Kwedo. Donc, les détails de à quoi serait servi cet argent-là, ça c'est eux qui savaient comment j'allais gérer ça. Parce que les médecins qui allaient faire ça, bon, j'avais besoin. Mais nous, lorsqu'on a transmis les listings, les éléments qui étaient retenus, qui devaient partir à la visite médicale, les 20 000 francs, on remettait ça à l'adjudant Croco. J'occupais de gérer ça au niveau de l'armée là-bas. Ce n'est pas nous qui partons directement à HMA déposer l'argent. C'est lui qui recevait l'argent. Monsieur le témoin, ma question est la suivante. La décision d'encaisser, ou du moins de faire encaisser de l'argent à ces jeunes, viennent de qui et sous quelle forme? Viennent de quelle autorité et sous quelle forme? La décision au nom de laquelle vous percevez de l'argent à ces jeunes-là. Cette décision, si elle vient d'une autorité civile ou militaire, ou bien quand vous avez parlé du service national, je ne sais plus, elle vient de qui et quelle est la forme qu'elle a revêtue? Je comprends, elle vient de qui, mais la forme qu'elle a revêtue, c'est-à-dire? Est-ce que c'est un décret? Est-ce que c'est un arrêté? Est-ce que c'est un courrier qui vous a été adressé? C'est ça que je parle de forme.
C'était pas un décret ni un courrier qui était annoncé. Mais ce que je sais, c'est que ce soit le chef d'état-major des armées, d'alors le général Philippe Mangou, que ce soit le ministre de la Défense, d'alors, on était bien informé. J'ai dit que l'appel n'a pas été fait dans les journaux ni à la télévision, mais ça a été effectif. Ça a été effectif. Il a expliqué même que même au niveau de Adjamé village même, il y a le chef d'état-major, même le général Philippe Mangou, avait recommandé 30 jeunes qui étaient venus aussi pour la formation. On avait demandé d'inscrire ces éléments-là sur le listing. Donc c'était quelque chose, bon, je peux dire d'officieux, mais qui tenait. N'était pas à l'insu des autorités compétentes. Monsieur le témoin. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire que il n'y a eu aucun document officiel en ce qui concerne cette pratique-là? C'est exact, il n'y a eu aucun document officiel? Moi, ma connaissance, il n'y a pas vu les documents. Il n'y a pas vu les documents. Il n'y a pas eu de documents pour ça, mais les listings ont été faits, ont été transmis au Service national des armées. Donc, je ne sais pas si ça, c'est un peu un document. Bon, ça. Et vous dites que le chef d'état-major de l'époque, le général Philippe Mangou, en était informé. Comment vous le savez? Je viens d'expliquer qu'il y avait 30 jeunes d'Adjamé village qui avaient été recommandés, qui sont venus les protéger du général. Et lorsque ils sont arrivés, ils sont arrivés avec un gars, un monsieur de la chefferie de la Djamé. Et ils ont été présentés comme en tant que les protégés du général. Donc ces 30 personnes-là devaient figurer sur la liste de la première vague qui devait être transmise à l'état-major. Vous êtes en train de dire à cette chambre que le général Philippe Mangou, en 2010, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, envoie au GPP, des éléments pour les former. C'est exact? C'est exact. Monsieur le témoin, je vais vous présenter un document. C'est le document CIV OTP 00180059. Public. Public. Confidentiel, s'il vous plaît. Vous voyez le document? Je vois le document.
C'est un document de l'ANC. Je vais vous lire ce document. AS, d'un recrutement de jeunes gens pour une formation militaire à Boisseau, moyennant le paiement de la somme de 40 000 francs CFA aux recruteurs. Contexte. Depuis la proclamation des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle qui a engendré une persistante crise post-électorale et face à la montée de la violence dans plusieurs localités, des initiatives pour la défense du territoire national se multiplient. C'est dans ce contexte qu'une source bien introduite rapporte qu'à l'initiative. Qu'à l'initiative d'un certain commandant Foufrou, un recrutement de jeunes gens s'effectue dans le département de Daloa pour une formation militaire à Boisseau. Les frais à payer par chaque élément volontaire s'élèveraient à 40 000 francs CFA pour la formation. C'est vrai que ce document n'est pas adressé. Sorry, Your Honor. Monsieur McDonald, désolé, Monsieur le Président, oui. Question. La première question à poser au témoin, c'est de savoir s'il a vu le document et s'il sait ce qui est écrit dans ce document. Et ensuite, selon ses réponses, on verra, mais c'est comme ça qu'on doit procéder. Le Président, oui, a-t-il déjà vu ce document? Sait-il ce dont il s'agit? Il est bien évident que le témoin n'ait pas vu ce document. Nous sommes dans un contexte et moi, c'est la pertinence du document. C'est la pertinence du document. Nous avons un contexte, nous avons un... J'aimerais qu'on fasse sortir le témoin, s'il vous plaît. Non, but Oui, certes. Enfin, allez-y. Moi, je pensais que ce serait peut-être une bonne question à poser en premier. Avez-vous déjà eu ce document? Savez-vous ce qu'est cette Agence nationale de la stratégie et de l'intelligence? Allez-y. Monsieur McDonald, madame, messieurs les juges. Le témoin peut rester. Hein. Je ne vais rien... Enfin, voici ce qui est important. Selon les réponses données, indépendamment de cela, mon confrère peut poser des questions au témoin sans avoir recours à ce document. Ça dépend des réponses, le président interrompant. Votre confrère peut poser des questions en se basant sur ce document, mais j'aimerais quand même savoir de la part du témoin s'il l'a déjà vu ou pas. Et ensuite, il pourra poser des questions sur ce document. Vous connaissez l'Agence nationale de la stratégie et de l'intelligence? Oui. C'est quoi leur activité? L'agence était chargée de coordonner les différents services de renseignement en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils collectent un certain nombre d'informations au travers du pays, c'est exact? Oui, c'est exact. Est-ce que ce que je viens de vous lire pourrait apparaître comme un renseignement ou des renseignements trouvés par l'ANC? Your Honors. Non. Monsieur, madame, messieurs les juges, le président. Non. Ma question est la suivante. Avez-vous
vu déjà, avez-vous déjà vu ce document? Or do you know the content of it? Connaissez-vous le contenu du document? Je viens juste à l'instant de prendre connaissance du contenu. Et quant à savoir si j'avais connaissance du document, je vois d'abord qu'il est marqué confidentiel et qu'il était adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc vraiment, je ne sais pas dans quel contexte que moi je pourrais avoir ce document entre les mains. Please go ahead, but without... Président, poursuivez, mais sans demander son opinion au témoin à propos de ce document. Posez-lui des questions sur les faits. Les faits qu'il pourrait savoir du fait de son poste. Mais je ne lui demandais pas son opinion. Allez-y. Son opinion. Je n'avais même pas encore posé ma question quand l'accusation a réagi. Je n'ai pas demandé son opinion au témoin. You asked and... Monsieur McDonald, le président. Mais alors, ce que je vous ai lu, est-ce que cela pourrait être des informations de renseignement qui auraient pu être obtenues par Monsieur McDonald? De toute façon, le témoin ne peut pas faire de commentaires sur un document qu'il n'a jamais vu. Et puis, il ne peut pas faire de commentaires sur la fiabilité des informations dans ce document qu'il n'a jamais vu et qui a plus été rédigé pour une agence pour laquelle il ne travaille pas. Le président, oui, enfin, on ne parle pas ici de la fiabilité du document. On pose des questions sur la teneur du document et ce qu'il pourrait éventuellement savoir du fait de son poste au sein du GPP. Mais ça va, ne vous levez plus. Allez-y, Maître Bougnon. En 2010, et par rapport au rang que vous occupiez à cette époque, savez-vous que le fait de percevoir de l'argent avec des éléments pour une formation était proscrit? Maître, vous me parlez de certains actes au regard de la loi. Moi, je vous parle de ce qui s'est fait, ce qui a été effectif. Il y a eu un rapport sur des recrutements qui se faisaient à l'Ouest. Peut-être que Foufou a voulu, peut-être, il voit une histoire de 40 000 francs. Non, peut-être 30 000 francs. Peut-être qu'il a voulu avoir 10 000 francs des élus, mais pour avoir lui-même 10 000 francs pour lui aussi, ses frères, ses besoins personnels. Non. Expliquez déjà que dans l'appel officiel qui était lancé par M. Charles Goudé, c'était en février. Que bien avant ça, il y a une première vague qui était déjà rentrée. Et normalement, il devait y avoir d'autres vagues qui devait suivre. Donc, lui, à son niveau, il a commencé à prendre les éléments en recyclage parce que la priorité était donnée au GPP. Les listings se faisaient à notre niveau et on transmettait au service national. Ce qu'on nous a demandé, pourquoi on nous a demandé, c'est pas parce que nous, notre formation, c'est-à-dire que ça équivaut à la formation commune de base militaire, mais le fait que des civils qui n'ont aucune connaissance en la matière passent déjà un certain temps à être formés chez nous. Ils connaissent ça quand même au moins 60%, voire 70% de ce qu'on a à apprendre en formation commune de base. Pour ne pas, parce que c'est quelque chose qui ne devait pas, les formations ne devaient pas, pour des raisons de discrétion, ne devaient pas s'étendre sur la même durée de 45 jours qu'on demande pour la FCP, la formation commune de base. Donc déjà qu'ils passent parmi nous, déjà en deux semaines dans les bataillons, le côté formation pratique était déjà bouclé. Ça évitait d'attirer toute l'attention.
J'ai eu à l'expliquer. Ce que moi, je sais, c'est qu'on a formé les jeunes. Même le commissaire à côté, même, s'est plaint. Et même au camp, là-bas, souvent, il y a des patrouilles, même, d'autres fois, qui n'étaient pas au courant, même, des fois, qui venaient. Pendant qu'il y avait des fois, on faisait des tirs, d'autres personnes, tellement, qui étaient dans l'euphorie, qui pouvaient faire quelques tirs. Ça attirait certaines forces en patrouille qui venaient à demander qu'est-ce qui se passe. Non, nous sommes en recyclage. Donc, ce que je peux vous dire, que ce soit répréhensible par la loi ou pas, mais ce que moi, je vais vous dire, c'est que ça a eu lieu. Et que c'est nous qui avons organisé ça. Et que, c'est pas après mon arrestation en 2014, là, je n'ai jamais été arrêté avant. Donc, ça veut dire que c'est fait, ça n'a pas été puni. Ça a été cautionné. Monsieur le témoin. It was never punished, it was. Le président, ça n'a jamais été sanctionné. C'était. On n'a pas été terminé en anglais. Donc c'est un acte qui n'a jamais été sanctionné. Il a été. Et on ne sait pas. Ah, OK. OK, thank you. Monsieur le Président. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez parlé encore de Awa Stallone. À cette époque, combien de fois, dans cette même période-là, combien de fois vous voyez Monsieur Awa Stallone? En septembre 2010. J'explique. Vous dites qu'il est venu à la. Il est venu parler avec M. Boiseau. À part ça, est-ce qu'il est venu encore à d'autres occasions dans la période de septembre? La période de septembre, non, mais en octobre, il était encore dans. En octobre, il était venu. Animé, je ne sais pas si c'est un meeting, hein, au niveau de la cité universitaire de 220 logements. La résidence universitaire, pardon. Président, Monsieur Demerdjian, c'est une objection quant aux questions aux interprètes, parce que cautionner en français ne veut absolument pas dire caution en anglais. C'est juste qu'il faut bien faire attention à cela. Our understanding is it means approved. Monsieur Demedjian, cela veut dire approuvé, d'après nous. Thank you. Please go ahead. Le président poursuivait, très bien. Et donc, vous dites qu'il est venu à un meeting à la résidence universitaire, c'est ça? Oui. Vous l'avez croisé à cette époque? Quand il est venu pour le meeting? Quand il est venu pour le meeting, il n'est pas allé échanger avec lui. À votre connaissance, il a eu à échanger avec M. Boiseau. Monsieur le témoin, vous marmonnez, on ne comprend pas. Enfin, les interprètes, en tout cas, ne comprennent pas. Ils ont compris la première réunion et ensuite n'ont pas compris parce que vous marmonnez. Je n'ai pas eu à échanger avec lui, à parler avec lui, lorsqu'il est venu pour ce meeting-là. Pardon, expliquez pour la transcription ce que vous entendez par meeting, parce que là, je crois que l'interprétation n'est pas assez correcte. Donc, c'est quoi un meeting? Non, en fait, c'est juste pour qu'on ait vos propos et pas pour qu'on ait le sens que vous donnez à ce terme-là.
Il était. Comment ça s'est déroulé? C'est qu'il était avec les jeunes étudiants de la FESI. J'étais au parking et j'étais réuni autour de lui. J'avais fait une ronde autour de lui. Et il était au milieu. C'était comme une mini-conférence. Hein, il les entretenait. Entretenant avec eux, mais il était au milieu, bon, au milieu de l'assemblée. C'est ce que j'appelle un meeting. Dans le transcript officiel du 18 octobre, vous dites que M. Awas Talonne serait venu croiser M. Boiseau, rencontre à laquelle vous n'avez pas assisté, mais vous étiez présent. Vous dites pas avec eux qu'il serait venu transmettre un message de Charles Blé Goudé. C'est ça? C'est exact? Oui. Dans votre déposition auprès du bureau du procureur, vous évoquez cela, mais avec une toute autre version. Je cite CIV OTP 0063-1833. À la page 1838. Vous dites à la page 1838, l'enquêteur parlait de la marche. Il dit à la ligne 180, et c'était quoi la date de cette marche encore? Vous répondez, c'était le 21 septembre, je crois bien. L'enquêteur dit, OK. Ça a eu lieu après la marche parce que vous avez évoqué. Je finis de lire d'abord. À la page 1839, c'était pas ça allait être mal vu. C'était mauvais pour chose, pour l'image du pouvoir. À la ligne 198, je cite. Et donc il a laissé les instructions pour que ceux parmi nous qui avaient l'âge compris entre 18 et 21 ans. Vous continuez ligne 201, soient intégrés dans l'armée parce que nous, notre doléance, on voulait que c'est les anciens, nous, qui étions là depuis le début, il y a longtemps, qui nous avait promis la réintégration dans l'armée. Fin de citation. En fait, vous évoquez la même histoire, mais sans mentionner à aucun moment M. Awa Stallone. Vous évoquez la même histoire à la même époque. Parce que dans le transcript, c'est après la marche que vous dites que M. Awa Stallone serait venu vous voir. Quand je recherche dans la déposition, après cette même marche-là, vous avez un message de. Vous avez un message, mais qui n'est pas. Vous ne mentionnez pas M. Awa Stallone
Et puis vous ne mentionnez pas aussi qu'il aurait été envoyé par qui que ce soit. C'est cette distinction-là que je ne comprends pas. Monsieur de Medjian, écoutez, je trouve que la lecture est très lacunaire. Le président, écoutez, laissons le témoin s'expliquer. Monsieur de Medjian, mais ce n'est pas juste envers le témoin, le président interrompant. Non, le témoin est bien assez grand pour savoir ce qu'il dit. Monsieur de Medjian, oui, tout à fait, mais enfin, lorsqu'on va lire la transcription, on ne sait pas qui a lu. On ne sait pas qui a dit quoi dans l'interview. Donc vraiment, la lecture est lacunaire. Lorsque je lis la transcription, lorsqu'on lit le document pour de vrai, on voit bien que le nom de la personne qui parle est prononcé. Alors je ne comprends pas pourquoi mon éminent confrère omet de le préciser. Le président, Maître Bougnon. Ma collègue, dont je n'ai vraiment pas saisi la fin du propos de mon éminent confrère. Non, ce n'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'est à l'écran. Le témoin peut le voir dans ce cas-là. Donc, tout va bien. Le président. Oui, c'est à l'écran. Vous m'avez compris, vous voulez que je reprenne? J'aimerais me répéter pour savoir si c'est vraiment ce que vous avez dit. Allez-y. Vous avez dit que j'avais au préalable dit que M. Awastaron avait transmis un message de la part de M. Chablé Goudé quant à la réintégration des officiers des éléments dans l'armée. Et que cette fois-là, lorsque j'en ai parlé, je n'ai ni mentionné M. Awastaron et le ministre M. Chablé Goudé. Est-ce que vous avez la question que vous m'avez posée? Oui, c'est à peu près ça. Je veux dire, par rapport au même événement, parce que je pense que cette rencontre-là était liée à la marche du GPP. Et donc, dans votre apaisement, ici, devant la Chambre, vous citez Awastaron, alors que pour le même événement et pour la même rencontre, dans la déposition que vous avez donnée auprès du bureau du procureur, vous n'avez mentionné nullement M. Awastaron. Excusez-moi de l'oubli, mais en fait, moi, souvent, ça m'a arrivé plusieurs fois que vous m'avez demandé, soit vous, bien, soit même M. le Président, a demandé à ce que je notifie de qui est-ce que j'ai parlé lorsque je disais « il » ou bien que je disais « on ». Bon, excusez-moi, c'est une habitude de langage, mais je pensais, puisque j'avais déjà parlé de ce fait-là auparavant, donc bon, lorsque vous me posez des questions sur un fait, il me dit que ayant déjà donné certains noms, certains détails, il ne peut pas encore revenir, puisque tout le monde sait déjà de quel fait il s'agit. Bon. Donc, excusez-moi si... Ça vous a dérangé, mais je pensais plus que j'avais déjà parlé de cela avant, lorsque j'avais été interrogé. Donc, tout le monde quand même pas plus connaissance de ces faits-là. I would just suggest that if you have to... Le Président, voilà. Alors, une petite suggestion. Si vous avez d'autres questions à ce sujet précis, nous pouvons le faire. Enfin, vous pourrez poser vos questions. Sinon, ça dépend de vous. Sinon, nous pouvons nous arrêter ici. Mais ça dépend de vous, Maître. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Okay. Très bien. Donc, je vous remercie, monsieur le témoin. Comme vous le savez, demain, il n'y a pas d'audience. Donc, nous reprendrons lundi. Donc, vous allez avoir un week-end plus long.
Je vais maintenant demander à Monsieur l'huissier de bien vouloir faire sortir le témoin du prétoire pour que je livre mes toutes dernières recommandations au parti. Avant de lever l'audience jusqu'à lundi 9h30, j'aimerais juste présenter un résumé. Nous avons eu 9 heures pour ce qui est des questions qui ont été posées par cette équipe de la Défense. La semaine prochaine, nous avons 3 jours entiers, parce que le 1er novembre... Maître Wagemacher n'est pas disponible, donc nous siégerons lundi, mercredi et jeudi. Donc lundi, mercredi et jeudi, 3 journées complètes pour nos audiences. Ce qui nous donnera quelque 14h30 ou plutôt 13h30 si je ne m'abuse. Donc je pense que la déposition de ce témoin devrait pouvoir se terminer jeudi prochain à 16h, au plus tard. L'audience est levée jusqu'à lundi. Oui, 9h. Oui. De la computation, mais 9h, c'est vraiment beaucoup. J'avais pensé avoir fait largement moins que ça. Oui, c'est justement pour cela que je le dis 9h, parce que moi, j'ai quelqu'un qui tient les comptes devant moi. Ce ne sont pas mes calculs, maître, mais ce sont des calculs officiels. Donc, j'ai vu du coin de l'œil, Monsieur MacDonald, non ? Oui, Monsieur MacDonald. Non, je pensais que vous alliez quitter le prétoire. Le président, non, je suis ravie qu'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention, donc nous allons lever l'audience jusqu'à lundi 9h30.